La ponctuation. Les signes de la ponctuation aident à lire et à comprendre les textes car ils séparent les phrases et ils précisent ce que veut dire l'auteur. Les signes avec lesquels se termine une phrase. 1. Le point simple. Exemple, elle veut aller au bal. 2. Le point d'exclamation. Exemple, elle veut aller au bal. Ça exprime la surprise, la peur ou bien le choc. 3. Le point d'interrogation pour poser une question. Exemple, veut-elle aller au bal? On a aussi les signes de ponctuation qui existent à l'intérieur de la phrase, comme la virgule pour faire une petite pause en lisant, ou bien les guillemets pour commencer un dialogue. Attention! La phrase qui suit un point simple, un point d'exclamation ou un point d'interrogation doit commencer par une majuscule. C'était tout pour aujourd'hui. Merci.